Salut les élèves, eh bien nous nous retrouvons pour lire aujourd'hui l'histoire de Taoki avec le son œil, œil, ouïe. Alors, tu as relu les mots, les phrases, nouveaux mots outils, chaque. Je suis donc prêt à lire l'histoire. Attention à la ponctuation. Au pied du château, des acteurs déguisé en chevalier, donne un spectacle de tournoi médiéval. Hugo et Taoki ont le droit d'y participer. Ils enfilent leur cotte de maille et tout leur attirail. Taoki a du mal à mettre son home. La plume lui chatouille le nez, mais il se débrouille. Dans le lointain, une voix annonce la joute de deux chevaliers. Chacun porte son écu avec ses armoiries. Une grenouille verte pour l'un, un chevreuil pour l'autre. La joute commence. Les chevaux démarrent à toute allure. Chaque cavalier brandit une lance gigantesque. Puis c'est le choc. Bang! L'un des acteurs tombe au sol. Il a perdu la bataille. Puis, c'est au tour de Hugo et Taoki. Il ne faudra pas s'embrouiller ni cafouiller devant tout ce public. Il ne faudra pas s'embrouiller ni cafouiller devant tout ce public. Et puis, le prix pour le vainqueur est un bisou de la princesse Lily. Maintenant que tu as lu et relu l'histoire, tu peux faire pause sur la vidéo pour relire. Tu es prêt à répondre aux questions sur le fichier. Alors, bave ce qui n'est pas dans le texte de l'histoire. Tu observes les dessins et tu barres les dessins qui ne font pas partie de l'histoire. Alors, ça c'est un bouclier. Alors, regarde bien les deux chevaux. Tu barres si ça ne fait pas partie de l'histoire. Une épée, un home, le dessin. Un bouclier avec une grenouille. Là, c'est un bouclier avec une citrouille. Il faudrait bien voir si ça fait partie de l'histoire. Une autre épée, un écureuil qui descend une pente et qui court à toute vitesse. Voilà, donc c'est à toi de bien observer. Entoure la bonne réponse. Alors, cet exercice, maintenant, tu as l'habitude. Tu dois lire. Est-ce que c'est un concert ou un spectacle qui va être donné devant le château? Tu choisis la bonne réponse. Taoki a enfilé une cotte de paille ou de maille. Il a une grenouille pour armoirie, armoire. Alors, le bouclier fait partie de l'armoirie du chevalier. La plume de bouvreuil lui chatouille le nez ou l'oreille. Chaque chevalier est équipé d'une lance ou d'une épée. Alors attention, une lance, une épée, il faudra faire la différence. Le vainqueur recevra un baiser ou un bijou.
Attention. Coche la bonne case, c'est-à-dire vrai ou faux. Le spectacle donné est une joute. Alors, une joute, c'est un combat, une bataille entre deux chevaliers. Donc, tu dois lire chaque phrase et cocher. Si c'est vrai, tu coches vrai. Si c'est faux, tu coches faux. À toi de jouer. Bon travail!